Bienvenue au GCDA Margaine Saujon pour sa traditionnelle journée maïs tournesol organisée donc par le GCDA avec le concours de Clarisse Robineau de la Chambre d'agriculture de Charente-Maritime. Donc lors de cette journée, la première partie de la matinée est consacrée à des interventions en salle, plutôt sur des sujets généraux ou des sujets très techniques. Sylvie Brunel, géographe, économiste, ancienne présidente d'Action contre la faim, professeure à Paris-Sorbonne. Je suis venue à l'invitation du GCDA, Margaine Saujon, pour évoquer ce qui me tient particulièrement à cœur, c'est-à-dire les grands enjeux alimentaires dans le monde. Aujourd'hui, on a l'impression que les Français ont oublié ce que c'était que la peur de manquer. Ils ont oublié à quel point la France avait dû se relever après la Seconde Guerre mondiale. Et tout se passe comme si les agriculteurs étaient perçus comme des pollueurs, voire des empoisonneurs. Et avec les crises alimentaires mondiales, avec les famines, avec la difficulté des paysans du monde, je suis extrêmement marquée par l'apparent divorce qui sépare ces citadins de leur agriculture. L'agriculture française, c'est une agriculture qui est performante, qui est de bonne qualité, qui est réputée dans le monde entier. Nous ne représentons qu'une toute petite partie de la superficie agricole utile mondiale et pourtant nous nourrissons en partie le monde. Cette agriculture française, il faut la défendre, il faut la protéger. Elle mérite le respect et la reconnaissance. À un moment où la PAC est renouvelée, je pense qu'il était important d'apporter un témoignage sur les grands enjeux de population. Il va falloir nourrir un monde demain qui comptera 9 milliards ou peut-être plus d'habitants. Les enjeux de prix, il faut pour qu'un agriculteur puisse produire, il faut qu'il soit correctement rémunéré, ce qui suppose de bonnes politiques agricoles, mais aussi les enjeux relatifs à la planète. Aujourd'hui, il ne suffit pas de produire, il faut aussi protéger. Le verdissement des politiques agricoles est devenu une réalité. Cela signifie pour les agriculteurs des enjeux colossaux en termes d'itinéraires techniques, de prise de risque, de modification des pratiques. Cette révolution écologique, ils l'ont déjà commencée depuis bien longtemps, depuis le tournant des années 90. On l'ignore trop souvent, mais les progrès dans les campagnes sont réels en termes d'utilisation efficiente des intrants, en termes de bandes enherbées, en termes d'irrigation. Nous sommes là au milieu d'un champ de maïs. Pour moi, le maïs est une plante qui symbolise parfaitement ces enjeux de l'agriculture mondiale parce qu'elle est souvent mal perçue, alors que c'est la première plante alimentaire du monde et c'est surtout une plante qui est extrêmement polyvalente, extrêmement généreuse. J'ai tendance à dire qu'elle a longtemps été perçue comme la plante des bœufs, mais pour moi c'est d'abord la plante des cieux. La journée maïs tournesol, c'est également l'occasion de présenter les essais variétés maïs et tournesol qui sont faits en partenariat avec les instituts techniques, Arvalis pour le maïs, Cetium pour le tournesol, mais également l'ensemble des semenciers qui nous font confiance pour mettre en essai leurs nouveautés variétales. La particularité des essais de Sablonceau, des essais maïs, c'est que nous avons deux modalités d'irrigation. Donc nous avons une partie des variétés qui sont conduites en stress hydrique et l'autre partie des variétés maïs sont conduites en irrigation non limitante. Ce qui permet de comparer la capacité des variétés à se comporter dans des situations stressantes, que ce soit en début de cycle ou en fin de cycle. Cette année se caractérise par un début de campagne relativement frais, donc des démarrages de végétation assez lentes, avec des désherbages un peu difficiles des parcelles de maïs puisqu'on avait eu des salissements très tardifs vu que les variétés ont eu du mal à couvrir rapidement. Pour ce qui est des estimations rendement, on attend des rendements plutôt corrects puisqu'on a eu des pluviométries satisfaisantes en juin et juillet, une période notamment critique pour la floraison des maïs. Mais les résultats, vous pouvez les retrouver dans le Chambre Info Grande Culture diffusé par la Chambre de Charente-Maritime et les synthèses régionales qui vous sont proposées également et que vous pouvez retrouver sur le site internet.